Mais il est hideux celui-là. Éradiquer cette immondice créature de Satan. On s'est attaqué par un castor bouffi. Oh, cette gueule. Mais c'est un gland. On va éradiquer toutes les créatures de Satan de Dieu, hein. Mais c'est quoi cette tronche là? Oh putain, créature de Satan, ça encore, vite. Ah, horrible. C'est quoi ça? C'est un bonnet avec une perruque, les gars. Le Pokémon, c'est un écrou. Le Pokémon, c'est une pomme avec un verre. Oh putain, c'est quoi cette horreur? Il faut le brûler. On lance flamme, vite. Elle me fait peur avec ses yeux, là, on dirait qu'elle va t'ensorceler. Celle-là, là, on dirait vraiment qu'elle va t'ensorceler. Est-ce qu'on va prendre cette sorcière, réellement? Bon, vous savez quoi, je prends l'ensorceleuse. La vache, mais on est sur Wii. Ça me fait tellement plaisir d'avoir relancé la Wii. Attendez, mais il n'y a pas de dialogue. Enfin, il n'y a pas de doublage. Sérieusement, les gars, il n'y a pas de doublage? Bon, mais écoutez, je vais faire la voix, j'imagine. Eh bien, bienvenue à cette incroyable célébration du merveilleux monde des Pokémon. Désormais, temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak le maître. Applaudissez-le bien fort. Bravo, Tarak. Bravo. Oh la vache! Secours! Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche. Je donne toujours à fond, Roy. Et c'était pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Dracofeu! Dynamax! Ah, je sens que je vais bien me marrer avec ce jeu. Oh la gueule du bonhomme! Il a une sale tête celui-là. Hein. Oh là, c'est quoi cette horreur là? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce qu'on peut parler au moumouton là? Oh! Mais il est tout rond! Ah, ça c'est rigolo ça. Oh, mais la gueule de ce perso! Hein. Donc c'est lui le grand maître qu'il va falloir dessouder, on est d'accord. C'est le rival quoi, c'est ça. Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ses terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Dracofeu Power! Dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dracofeu après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fan de toi, Tarak. On rêve tous de te affronter. Alors faites des dents. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde, Galar number one. Draco. Hé, Frangin. Ah, Nabil, t'es là. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. Sur ce, au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas... Dracofeu Power! Grosse écriture, donc. T'en fais pas, tu vas avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matin un peu sale et minus. Vous allez en prendre plein les yeux. Et donc c'est là qu'on va choisir notre Pokémon de départ. Notre starter, on appellera ça. Ah oui, mais non. Maintenant, les gars, je m'y connais en Pokémon, hein. On appelle ça un starter. Le Pokémon plante, Wisdom, Pokémon feu, Flambino, le Pokémon eau, l'Arméléon. Mais ils sont dégueulasses. Tiens, j'ai l'impression d'être devant un dessin animé à 9h du mat, là. Mais il est tout malheureux. Il faut que j'en choisisse un. Ah non, mais j'en veux aucun, moi, de ceux-là. Hein. Ils sont trop moches. J'en veux pas, je veux partir. Secours! J'hésite entre l'eau et la plante. Hein. Non, entre l'eau et le feu, je veux dire. Mais le feu, j'aimerais bien un Pokémon de feu, moi. Pour ça. C'est une espèce de lapin à la con, c'est un vieux lapin dégueulasse. Mais je t'emmerde! C'est un peu de vieux chimpanzé, le truc. C'est quoi ce... Non, on dirait un koala. On dirait un koala, le starter plante. Donc, on en choisit entre un koala, un lapin, et puis ça, on sait pas ce que c'est. Hein. Allez, il est quand même moche. Hein. Il est quand même moche, le Flambino. Mais bon, on fera avec. Est-ce qu'on donne un surnom à Flambino? Ah, mais d'accord, ah, mais aussi, on peut tous les renommer. Roger Rabbit. Ça me paraît très bien, ça.
Oh la gueule. On se fait attaquer par un par un castor bouffi. On se fait attaquer par un castor bouffi. Un écureuil plutôt. Plutôt un écureuil. Un écureuil bouffi. Ok, très bien. Rond gourmand, il s'appelle, d'accord. Attention les gars, on se fait attaquer par une espèce de pigeon. On se fait attaquer par un pigeon voyageur là. Oh la gueule. Mais il est hideux celui-là. Ah non, celui-là j'en veux pas. Ah celui-là j'en veux pas. Éradiquer cette immondice. Créature de Satan. Ah mais il est mort. Est-ce qu'on va choper ce renard? Ah attendez, je vais mouton. Oh c'est quoi cette horreur? Maître hibou. Maître hibou. Maître hibou, je l'éradique. Maître hibou, il faut l'éradiquer. Ah non, je capture pas ça moi. Il est trop moche. Moi je capture les Pokémon qui sont beaux les gars. Oh c'est quoi cette horreur là? C'est un Voltou ça? Ah ben j'en veux pas. Ah c'est joli quand même. Il y a un petit... Bon, je suis un petit peu choqué qu'on puisse pas bouger la caméra nous-mêmes. C'est un petit peu choquant. Mais à part ça, franchement pour un jeu Wii, moi je trouve ça pas mal. Pour un jeu Wii, sorti en 2005, je trouve ça plutôt joli moi. Je vois pas trop où est le problème. Hein. C'est comme les gens qui critiquent Shenmue 3, alors que bon, franchement, pour un jeu Dreamcast, ça fait plus que le taf, hein. Je ne comprends pas les gens, hein. Mais je vois que t'as déjà pigé le truc. Ben ouais, Joupette. Bien ouais, Joupette. Secours! Bien ouais, Joupette. Wesh, wesh, gros. Je parie que c'est ta mère. Ah, c'est ta daronne. Rappeur sensible, ouais c'est possible, mais ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Qui t'a été prévoyante en tenant de quoi en attraper. Oh putain. Alors, oh non, c'est le chien, oh non, j'en veux pas. Oh, c'est le chien dégueulasse. Oh non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Fuyons. Et donc là, c'est un Pokémon du coup qui va être aléatoire. Oh, cette gueule. Mais c'est un gland. Le Pokémon gland. Pokémon gland. C'est quoi cette horreur? Eh mais c'est parfait. Pokémon gland pour l'écureuil. Il va en faire qu'une bouchée. L'écureuil va en faire qu'une bouchée du gland. On va voir. Comment il s'appelle? C'est quoi? Grainipido? Grainipo? Non mais c'est un gland les gars, c'est un gland le truc. C'est littéralement un gland les gars. On va le becter ce gland. Avec critique, il va se dépasser. Oh la vache. Oh non j'en veux pas. Mais ils sont dégueulasses ces Pokémon là. Oh non j'en veux pas, ils sont horribles. Ah non, non. Oh putain, créature de Satan, ça encore, vite! On va éradiquer toutes les créatures de Satan de ce jeu, hein! La gare. Oh là là, mais il arrête pas de nous... Putain, quand est-ce qu'on va être libre? Je veux être libre, moi, d'aller où je veux, j'en ai marre de ce Nabil. Attendez, ne me dites pas que ce con va rester avec nous jusqu'à la fin. Moi, je meurs, hein. 5 minutes later. Et tu commences à nous gonfler, monsieur Nabil. Est-ce que tu veux pas partir et aller voir ailleurs si on y est, s'il te plaît? J'en peux plus ce Nabil, là. Je veux qu'il parte. 1 minute later. Mais qu'est-ce qu'il a encore, lui? Mais il est insupportable, celui-là. D'ici à ce qu'on y arrive, je suis sûr qu'on aura croisé tout plein de Pokémon. Mais tais-toi, maintenant, tais-toi! J'espère que Nabil va mourir, hein, parce que... C'est assez insupportable, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie, encore? On le connaît, lui, là! Comment il s'appelait déjà? Le Rocher? Comment il s'appelle déjà? Onyx? Onyx, peut-être. Oh, mais oui, c'est ça! Un Onyx. Et quel niveau? What? Fuyez, messieurs, fuyez! Non! Fuyez! Mais on veut fuir, on veut fuir! 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 Secours! Au Poké Camping, vous pouvez vous lier d'amitié avec vos Pokémon en jouant et en mangeant ensemble. Qui sait, peut-être que tout ce fun les motivera à dépasser leurs limites en combat. Ils font peur, hein? Secours! ACR pour zoomer. Oh le Magikarp. Qu'est-ce que c'est que ça? Secours!
Secours! C'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Mais c'est quoi cette horreur? Des têtes, voilà, ça, voilà. Typiquement le genre de truc, comment ils ont pu inventer ça? Attends, mais les gars, c'est une tête! Une tête! Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi le dégain de ce Pokémon quand même! Regardez-moi ça! Une tête de je sais pas quoi, de Teletubbies. Il n'y a pas de corps, il vole, et il y a une plume sur la nuque. Et voilà, voilà. C'est quoi cette horreur? Je suis désolé, c'est quoi cette horreur? Lui, il a les quels niveaux? Attendez, je vais sauvegarder. C'était où déjà? Paramètres? Je ne sais plus comment on sauvegarde. Non, pas du tout. Paniquez pas, hein, je vais trouver. Comment on sauvegarde déjà? C'est pas dans le sac. Si? Ne paniquez pas. Comment on sauvegarde? Comment j'ai fait tout à l'heure pour réussir? Mais tout à l'heure, j'ai réussi à sauvegarder extrêmement vite. Ah, mais là! Ne paniquez pas. J'ai vu l'onglet sauvegarde. J'ai vu l'icône. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. T'es quel niveau, toi? Il est quel niveau, lui? Lui, je sens pas. Ça sent genre le niveau, niveau 50. Je sens pas du tout cette armure. Ah, d'accord! Niveau 40, aucun sens. Oh la vache! Mais c'est quoi cette tronche là? Mais comment il peut y avoir des... Il y a vraiment des gens qui sont payés pour faire cette tête? Mais c'est scandaleux! C'est scandaleux! Regardez-moi ça! Voilà, ça, typiquement les gars, le genre de design que je ne supporte pas. Tu ne ressembles à rien, regardez! Ah, moi ça m'énerve ça, ce genre de design là. Sérieux quoi. Tu mets... C'est rien du tout en fait, c'est une grosse tête, c'est deux yeux qui ressemblent à rien, il sourit. Ça y est, ça fait un Pokémon. Mais non! Mais non les gars! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Roger Rabbit évolue! Déjà? Attention! Ah! Horrible! Mais c'est horrible! C'est le pire! C'est pire que tout! C'est horrible! Ah! Non! Non! Pourquoi? Pourquoi cette tête? Pourquoi ce design? Non! Non! Oh là 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 là, c'est pire que tout là. Oh, oh la vache. Oh la vache. Là c'est tout ce que j'aime pas. Tout ce que j'aime pas. Humanoïde, dégueulasse, couleur aucun sens. Oh la vache. Oh putain, oh putain. Bon, on s'est fait avoir, tant pis pour nous. Mais l'animation du pied, mais c'est tellement scandaleux. Il sautille. Oh la vache. Oh, oh la vache. Oh, ce design de Roger Rabbit, là. C'est compliqué. L'animation du pied, elle me tue. Ah, mais l'animation du pied. Je pensais pas que c'était possible de faire ça en 2019. Réellement, hein. Mais réellement, je pensais pas qu'on pouvait faire ça en 2019. L'animation du pied, quoi. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Ben, au moins, vous savez quoi? Jouer à ce jeu, ça remet... Oh, la vache! Oh, cette DA! Ça remet... Oh, la... Putain! Cette DA! Oh, cet ODA, mais ça n'a tellement aucun sens. Tout part dans tous les sens. Oh, mon Dieu. Ça remet en perspective ce qu'on a fait, ce que j'ai dit sur Death Stranding et sur Shenmue 3. Parce que ces deux jeux passeraient vraiment pour des chefs-d'œuvre par rapport à ce qu'on fait là. Oh, mon Dieu. Et c'est tellement scandaleux, putain. Les mecs brassent des milliards. Ils brassent des milliards avec Pokémon et ils osent sortir ça. Mais comment c'est possible? J'aime l'argent. Comment ils font? Comment ils font, putain? Comment ils font, les mecs? C'est pas possible! Mais c'est pas possible! Cette DA! Putain! Mais what? Il s'est rien passé? C'était la cérémonie d'ouverture, d'accord. Oui, on t'écoute, monsieur Tarak. Voilà, donc il faut combattre les champions de chaque stade dans un ordre précis. On commence par celui de Greenbury, on doit prendre la route 3 pour y aller. Ah, mais c'est pas ici! Mais j'ai rien compris, moi. Mais je pensais que j'allais combattre là! Je n'y comprends rien à ce jeu! Mais c'est pas ici qu'on va combattre, alors! Mais qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, putain? C'est pas ici qu'on va combattre, en plus. Alors, faut prendre la route 3 pour y aller. En fait, faut tuer tous les champions à la con pour finalement arriver ici. Genre ça, c'est la fin du jeu. Cette arène à la con doit être la fin du jeu, finalement, alors. Mais alors, ben on y va. Oh, qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Une fois par jour, on peut rapporter un cadeau. On peut remporter un cadeau. Comment ça fonctionne? Quoi, c'est un combat? Mais fallait me le dire, c'était un combat, espèce de con. Je pensais que c'était gratuit. Oh putain, il me fait peur, lui. C'est quoi cette horreur? Des alvéoles! Gros Pokémon! Oh, ça va, niveau 10, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, vivement qu'on ait une nouvelle attaque de feu, par contre. Parce que là, depuis le début, on n'a qu'une seule attaque de feu avec notre starter. Je regarde s'il n'y a pas des Pokémon intéressants. Bon, vous savez quoi? Écoutez, on va essayer de tous se les faire, au moins ceux qu'on ne connaît pas. Oh la vache! Juste pour voir le design particulièrement ignoble. Même si celui-là encore, ça pourrait aller. C'est quoi ce truc là? Attends, on le connaît pas, lui. On connaît pas. Oh la gueule! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors voyons. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette chose? Un Machoc! Il est Mastoc, ce Machoc. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Bonjour, c'est le facteur, je livre des colis mais aussi des combats. Oh la pire punchline du monde! Mais ça n'a pas de sens! Bonjour, je suis le facteur, je livre des colis mais aussi des combats! Je suis fragile, mais je suis du genre coriace! Je m'appelle Fragile, mais je suis du genre coriace. Oh putain! C'est un mix entre Hideo Kojima, Yu Suzuki, tu vois. Il y a un petit peu de Kojima pour l'écriture, il y a un petit peu de Yu Suzuki pour le clipping de fou. Et voilà, et puis ça fait Pokémon. Regardez-moi ce design. Regardez-moi cette barbe. Mais c'est quoi ça? Et tout ce qui n'a même pas été créé. Ils l'ont fait sous un vieil... Mais c'est honteux, mais c'est honteux. On dirait que le perso, il a été généré aléatoirement, quoi. Oh mon Dieu. Mais tu ressembles à rien, c'est quoi cette barbe? C'est une fausse barbe, bien sûr. Moi, j'aime bien le chara-design. Mais tu vois, c'est tout le problème. Et là, monsieur Cheval, je suis désolé, mais t'aimes bien le chara-design. Et encore une fois, comment t'expliquer? C'est... On en revient à ce que j'avais dit pour Death Stranding à quelqu'un qui me disait « j'aime bien je sais plus quoi », alors que clairement, c'était vraiment de la merde en boîte. Hein. Et ça se voyait, il n'y avait aucune discussion possible. Et à partir de là, c'est soit tu dis « tous les goûts sont dans la nature », et il n'y a aucun problème, évidemment... Faut respecter tout le monde et c'est subjectif et bon voilà. Ou alors tu dis la vérité, tu dis non, non monsieur Cheval, ce que l'on voit actuellement est atroce. C'est atroce en fait. C'est très compliqué de dire chacun son avis, respect. Alors que ce qu'on voit est scandaleux. Ce que l'on voit est scandaleux, tu comprends? Donc c'est très compliqué. Et donc ce que je lui avais dit au bonhomme sur Death Stranding, je lui avais dit, mais tu sais, il y a des gens qui aiment manger leur caca. À partir de là, forcément tous les goûts sont dans la nature. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, alors ça c'est un nouveau Pokémon. Il ressemble à rien celui-là aussi. Non mais il t'a aussi, je veux dire. Enfin, c'est quoi ce Pokémon? Je suis désolé les gars, mais quand je verrai un Pokémon qui n'a aucun sens, je vous le dirai. Celui-là. Celui-là là. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce truc? C'est un morceau de caillou avec deux pattes et une crête. Ils en ont fait un Pokémon. Je peux plus. Oh mais la tronche des Pokémon les gars, ça m'éclate hein. Ah, il ressemble tellement à rien du tout. Regardez-moi ça! Mais regardez, quoi! Ça vient d'où? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? C'est un bonnet avec une perruque, les gars! C'est un bonnet avec une perruque! Mais c'est quoi, ce Pokémon? Attention! Oh, la gueule de ce personnage. Oh, la vache, mais c'est quoi, ses proportions? C'est un champion. Ah mais c'est peut-être lui du coup le premier champion alors. Ah mais oui c'est lui, Percy le champion. Ah mais c'est lui alors. Du type plante, oh là là. Il va prendre cher. Oh les gars, il va prendre cher. Hein. Il va prendre cher. On va le déglinguer. Hein. Monsieur Percy. Alors il faut accomplir une mission d'arène afin de pouvoir affronter le champion. Ah. Ouh la vache, elle est bizarre cette arène. Ah mais non, c'est quoi ce truc là? Ah non mais c'est une mission spécifique là. Attendez, il va peut-être se passer quelque chose là. Je sens une espèce de parcours du combattant, regardez. Il va peut-être se passer quelque chose les gars, attention. Faut courir après les moutons. Ah non, je me suis trompé. Alors, faut les rassembler au pied de la barrière en bottes de paille. Ils feront bélier avec leur masse et elle s'écroulera, tu pourras ainsi avancer. Ok, donc en gros, on nous prend pour des cons. J'avais un doute! Mais non, finalement. Ça y est, on y est. Un blanc coton, on connaît pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur?
Ah mais il le fait là, lui, tiens. Ah, du coup, je vais le faire, alors. Attendez, on va le faire. On va le faire, le coup du Dynamax, alors. Pyromax. Bon, mais Pyromax, alors. Ah, mais il y a quand même quelques effets sympathiques. C'était un bien beau combat. Oh la vache! Mais c'est quoi ça? Il y a deux écrous! Le Pokémon, c'est un écrou! Les gars, c'est un écrou! C'est un écrou! Après, il y aura une vis, puis un boulon, et ça va faire un Pokémon! Et le mec à droite, là, est-ce qu'il est pas dégueulasse? Cette espèce de chien! Mais regardez la trogne! C'est quoi ce qu'on voit là? Oh! Ça va être un boulon après! Je peux plus, je peux plus! Mais quoi? C'est quoi ça? Il y a un cuisinier dans les champs avec une louche et tout, et il nous attaque! Effectivement, les gars, il faut vraiment prendre ce jeu au second degré. Hein. Il faut le prendre à la rigolade, hein. Vraiment. Prenez ce jeu à la rigolade, les gars. Il y a le cuistot qui nous attaque. Alors, ah, c'est une pomme. Une pomme nous attaque, très bien. Eh bien, comme d'habitude, j'ai envie de dire, nitrocharge. La technique ancestrale qui a encore fait ses preuves. C'est une pomme, les gars. C'est une pomme. Le Pokémon, c'est une pomme avec un verre. C'est génial. C'est quoi ce truc? On connaît pas celui-là. Oh la vache! Un canard artichaut. Ah, je le connaissais, lui. J'en ai entendu parler. Ah, un canard artichaut. Ah, lui, il est marrant. On va essayer de l'avoir. Ah oui, alors lui, il est pas mal. Lui, il est pas mal. C'est un canard. Il attaque avec un poireau. Franchement, lui, pour le coup, il a un bon design. Ah... Parfait. On va voir si au niveau des stats, s'il est pas mal. En tout cas, j'aime bien son design. Si les stats sont bons, j'ai envie de le garder. La forme de galard de canard tichot, c'est un guerrier courageux qui brandit un large et imposant... Comme ma bite. Poireau. Pour faire évoluer canard tichot, c'est assez hard. Faut faire 3 coups critiques en une seule bataille. What? 3 coups critiques en une seule bataille. Mais ça n'a pas de sens. T'es sérieux, mon culus, ou c'est une blague? Il a l'air sérieux. Et il faut faire 3 critiques dans un coin pour qu'il évolue. Oui, mais... Et celui que t'as capturé n'avait pas l'objet poireau, qui augmente les critiques. Est-ce que l'objet poireau se trouve forcément sur un canard artichaut? Donc il est dispo dans les terres sauvages, l'objet poireau. Ah, ben voilà! Vous savez quoi? On va aller dans les terres sauvages pour chercher l'objet poireau, alors. Voilà. Donc, fallait aller becter avec le président, là. C'était ça. On cherche un resto. Oh, je sens que c'est là-haut. Ça sent le resto par là. C'est pas un resto, ça. Non, c'est pas du tout un resto. Non. Mais non, tais-toi. Alors, où il est, ce con de resto? Il n'y a pas de resto, ici. Bon. Je me doute bien que c'est pas un resto, ici, mais on va quand même aller dépouiller cette famille. Je veux te dépouiller. Maman, elle est trop bonne. oui, mais il est où, ce con de resto, alors? C'est pas clair, cette histoire de resto. Non. Ce qui t'arrive... les axolotos femelles des mâles. Eh bien, ça dépend s'ils ont un zizi. C'est vrai qu'ils ont l'air assez identiques. Hein. Ah non, ça y est, je sais. C'est les oreilles. Voilà. Donc, les mâles ont une antenne avec 2 broches. Les femelles ont une antenne avec 1 broche. Quand je vous disais que j'étais un spécialiste des Pokémon, les gars, vous m'avez pas cru. Bon, sinon, ce resto, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Bon, où il est, ce con de resto? Ah, mais il était là. Ah oui, il devait être là, le resto, dis donc. Maintenant, on va dépouiller ce resto, tiens. Où est-ce que vous avez foutu des pots? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ohé. Ah, il y a une mouette qui m'appelle, là-bas. Il y a une mouette qui m'appelle. Ohé. Ohé. Oh, il y a un ronflex. Mais il est tout rond-rond. Il est tout rond-rond. Bon, je rappelle qu'on est ici pour trouver soit un canard artichaut, ou alors un autre Pokémon qu'on ne connaît pas, ou alors le but c'est de trouver l'objet poireau qui augmente le taux de critique.
Mais où il est ce con de Poirot? Y'a pas de Poirot ici. Mes poireaux. Et tout ronron, l'abominable homme des neiges. Je ne trouve pas de poireaux, les gars. Alors, c'est pas ce qu'on m'a dit. Ah, attendez, il y a un gros rocher là-bas, j'ai pas été voir ça. Peut-être autour du rocher avec du bol. Ah, attendez. Oh! On a trouvé le poireau. C'est mon poireau. C'est mon gros poireau. Il était là, le gros poireau. Il était là. Mon poireau. C'est parfait, les gars. 12 seconds later. Comment ça, tout ça pour rien? Comment ça? Ah, c'est pas ça? Que c'est pas ce poireau? Non, sérieux? Que c'est pas le gros poireau qu'il fallait? Mais. Ah, mais non, c'est un ingrédient. Oh là 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 là, tout ça pour rien, c'est génial. Vous savez quoi, pour la peine, on va trucider cette espèce d'aberration de la nature, là. Arrière, Satan! Il est très fort? Ah, et quel niveau? Ah! Mais non, mais niveau 46! Scoo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 
Laisse-moi t'expliquer l'objectif de la mission d'arène de type feu. Il faut capturer un maximum de Pokémon pour marquer le plus de points possible. Il faut 5 points pour gagner, 20 Pokémon tapis dans l'autodiote apportera 1 point, le capturer 2 points. Mais garde à l'esprit que tu n'es pas la seule en lice, il y a d'autres dresseurs qui participent. Il faut garder un œil sur tes rivaux et adapter ta stratégie en fonction de leurs actions pour manger des points. D'accord. Attendez. Faut que je les capture, je devrais peut-être garder le Roger et faire des doubles attaques. Ok, donc ça c'est un Pokémon feu, comme on est deux, c'est pas clair. Bon, moi je lui mets double attaque, je pense pas le tuer avec ça. Non, c'est bon, je le tue pas. Donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre con, là? Il va le tuer, cet abruti. Mais non, le tue pas! Faut que je le capture! Ah, nickel. Et 2 points, 2. On se fait un bis. Oh, le stratège! Comment ça? Mais j'en veux pas. Mais c'est de la saloperie. Eh bien, il va dans la boîte. Ok, le prochain, il est où, le prochain? Ils sont où? Mais ils sont où? Oh putain, c'est le retour du skate. C'est le skateboard, attention. Bon, je pense pas... Voilà, pas très efficace. Alors, à mon avis, coup de boule, je pourrais pas le tuer. Coup de boule, je ne le tuerai pas. Allons-y. Nickel. Très bien. Pourquoi mon pote n'attaque pas exactement, là? Qu'est-ce qu'il a? C'est pas clair. Bon, le problème, c'est que là, double pied, on peut estimer que j'ai pas le tuer avec ça. C'est censé être pas efficace. Allons-y. Ouais, c'est bon. C'est bon, il est en rouge. Mais quel talent, le stratège! Ne le tue pas, toi! Ne le tue pas, là, mon pote! Allez, la Pokéball! Eh, les gars! Mais je rock sort tellement! Oh là 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 là! Je rock sort tellement, les gars! 4 points directs! Oh là 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 là! Alors, c'est feu et insectes. Mais j'en veux pas de ce skate! Mais j'en veux pas! Dans le coffre! Voilà, très bien. Plus qu'un point. Allez hop, il est où le prochain? Attention! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? De toute façon, là, vu qu'il me manque un seul point, c'est même pas la peine de le capturer. Donc allons-y direct. Hein. J'ai pas touché, il s'est passé quoi là? Allez hop. Comment ça n'affecte pas? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là! Attendez, les gars, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à attaquer ou quoi? On est handicapé? Vive attaque! Ça marche ou pas? Non, ça n'affecte pas. Ah, ça marche pas. J'arrive pas à attaquer. Attendez, je vais le capturer. Paniquez pas, je vais le capturer. Et voilà, tout était prévu. Eh oui. J'ai laissé mon collègue le taper pour pouvoir le capturer ensuite. C'était une stratégie. Une fine analyse de ma part en amont. Et hop, 6 points. Et là, normalement, les gars, on est à 6 points. Autant dire qu'on est le number one. Mais non, on n'en veut pas, c'est une bougie. On ne veut pas de la bougie. Non. Ah, ça y est, on y est. Alors attention. Tu veux voir le... Oh, il est joli celui-là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? À l'attaque, chelours! Bon, ben la force directe. Ok, parfait, il l'a tué. On va le virer dès qu'on peut. Oh la vache, faut changer d'équipe! On va prendre Ninjask, allez hop. Allez, prenons Ninjask. J'ai gardé le Léviathours pour le troisième, on sait jamais. Roue de feu. Ah! Ah oui, d'accord. Cela dit, on va faire le vampirisme. Ça va pas me régène beaucoup. Aïe, ça va pas me régène beaucoup, ça. Aïe, il va mourir. On va mourir avec lui. Bon. Ça a été une mauvaise stratégie de ma part de prendre lui. Paniquez pas. Pas l'artichaut est là. Je sais ce que je fais. Attaque-le! C'est pas génial, hein. On refait un coup, puis ensuite on va le dégager en espérant ne pas mourir entre les deux. Il refait la roue de feu, cet enfoiré. Bon. On va le faire partir après. Bon, allons-y avec le Léviathours. Assez joué. Alors, on va en finir. Donc allons-y avec ça. Il devrait crever. Une des rares attaques de ce putain de jeu qui a une vraie animation de combat. C'est incroyable. Voilà. C'est un gros skate. Bon, du coup, c'est le Dynamax, là. Le Dynamax! Ok, celui-là, alors. Celui-là. Je crois qu'il va pas faire long feu, là. Et ben, voilà. Incroyable stratégie. Alors comme ça, moi je ressemble à ça.
C'est comme ça que vous me voyez. Hein? C'est comme ça que vous me voyez. Ah, c'est comme ça qu'on me voit. Hein. Attendez, je vais appeler le canard Tichot, là. Ah, ça, franchement, ça, c'est un bon design. Voilà. Ça, c'est un bon design. Il est pas content. Il est pas content. Non mais c'est énorme. Attendez. Les gars, je trouve ça énorme. Ils ont fait une animation. Les gars, attendez. Ce qu'on est en train de voir est phénoménal. Rendez-vous compte. Ils ont fait une animation pour donner des coups de pied à notre personnage. Là, on le voit bien. Il nous donne un coup de pied. Parce qu'il est pas content. Mais quand on est en combat, il n'y a pas d'animation du coup de pied. Les gars, l'aberration de l'année, on vient de la voir, elle est là. Mais elle est là. Quand on fait le double kick, il n'y a aucune animation. Alors qu'ils ont bien fait l'animation du pied. Mais les gars, c'est merveilleux. Les gars, qu'on est en train de voir est merveilleux. Ils avaient bien fait l'animation du coup de pied et elle est pas en combat. Mais putain, quelle bande de branquignoles. Mais quelle bande de branquignoles. Voilà, on s'est bien amusé. Est-ce qu'on peut partir, s'il vous plaît? Et donc, on a gagné de l'XP. Mais la vache, en plus, c'est beaucoup d'XP, c'est ça le pire. Mais le pire, c'est que ça... C'est que ça... Peut-être qu'en fait, il n'y a même pas besoin de combattre des Pokémon dans ce jeu pour faire de l'XP. Vous faites uniquement des gratouilles avec le plumeau et vous envoyez la baballe à vos Pokémon, vous allez arriver niveau 100. Vous en rendez compte, 1100 d'XP, on a gagné, là. Et 800 pour le canard Tichot. Putain. Oh, voilà, attention. Nouvelle évolution de Roger Rabbit. Je vais pisser. Oh, c'est quoi cette horreur? Un canard transgénique. Pour le terrasser, rien de plus que la force brute. Et boum! Et boum! Voilà, accroche-toi Nabil et reviens le plus tard possible s'il te plaît. Hein, voilà, va voir par là-bas si on y est, c'est très bien. Non mais c'est bon, on a compris, voilà, c'est une soucoupe. Très bien, ok, d'accord, merci, au revoir et surtout adieu. Un petit peu ce mini-jeu, ça peut être sympathique. Ah oui, je sens bien, alors attention, ça marche pas. Loul, bah alors. Attendez, j'arrive pas à le bouger. Hein. Hein? Non mais c'est bon, on a compris. Alors là, c'est une énigme, les gars. C'est une énigme. Ah oui, non, d'accord, ça y est. J'y suis. Paniquez pas, les gars, j'y suis. Mais il y avait rien à faire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah. Chelours contre petit chelours. La force brute! Attention! Ah! Attention! Mais qu'est-ce qu'il fait? Non! Ça part là? Mais faut aller où? Attendez, je suis bloqué! Ah oui, non, mais c'était en haut! Ah merde! C'est de l'autre côté alors! C'est pas à voir! C'était par là! Je vais pousser du nul! Je crois que même les mini-jeux de Shenmue 3 étaient mieux! Oh putain la vache! En fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression que plus on prend les joueurs pour des cons, et plus ils aiment ça! C'est curieux quand même! Non mais là quand même c'est chaud! J'aurais enchaîné 3 jeux quand même là les gars! Je mérite une médaille, hein. Il me faut une coupe, là. Putain, Death Stranding, Shenmue 3, Pokémon épée. Je pense qu'après, on se fera un bon petit jeu bien rétro, parce que là, quand même, c'est très compliqué. Un canard Tichot! Et boum! Oh, c'est tellement moche. C'est tellement moche, les gars, mais je sais pas comment vous expliquer, en fait. Si vous voulez que... Putain, comment vous dire? Cette DA, en fait, World of Warcraft en 2005 faisait mieux, quoi. Je sais pas comment vous expliquer la bouille vomitive que je vois actuellement.
phénoménal. Oh putain, qu'est-ce que c'est laid. Oh, bleh, bleh. Qu'est-ce que c'est que ce truc. Oh putain. Oh, c'est moche. Non, c'est coloré. C'est luminescent. C'est tellement de mauvais goût. Je sais pas comment vous expliquer, en fait. C'est vraiment, mais... Je sais pas comment vous expliquer à quel point ce qu'on voit, c'est dégueulasse. Ces champignons-là, fluorescents de toutes les couleurs, qui jurent complètement avec... Ah, putain, ça aurait pu être beau, mais ce serait bon en 2005. Enfin, en 2005, ça passe, tu vois, c'est ça. Mais là, quoi. Ça me donne envie de m'ouvrir les veines. Alors, c'est plus une audition qu'une mission. Ah oui. J'espère que c'est pas des questions sur les Pokémon, hein. Parce que sinon, on est mal barré, les gars. Ah, j'ai une question. Oh non! Quoi? Oh là 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 là, au secours. Contre quoi le type de fée est-il faible? Bon, à mon avis, acier. On n'est rien Pokémon et il donne les bonnes réponses. Tiens, donc si je comprends bien, l'attaque c'est coup de boule, mais il donne un coup de pied. Coup de boule. Mais c'est hallucinant ce jeu. Mais c'est génial. Les gars, l'attaque c'est coup de boule et il donne un coup de pied. Les gars, mais c'est merveilleux ce jeu. Mais c'est merveilleux. Coup de boule, le mec il donne un coup de pied. Ah, j'adore ce jeu. J'adore, les gars, j'adore. Attention, quel est le nom de la dresseuse d'arène de tout à l'heure? Oh là 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 là, mais ils sont sérieux. Amélie ou Améline? À mon avis, c'est Améline. Oh là là! Comment il enchaîne les bonnes réponses? Oh là là! Oh, le gazé, il enchaîne les bonnes réponses! Oh! Vous avez vu ça? Ah, c'est impressionnant, les gars, je sais. Je me mets à votre place. Je serais assez stupéfait de ce qui se passe sur votre écran. En effet, deux bonnes réponses sur deux. Attention. Oh putain, c'est quoi cette horreur? Il faut le brûler. On lance flamme, vite. On lance flamme, putain. C'est bon. Qu'est-ce que je mange tous les jours au petit déjeuner d'après toi? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Du curry ou une omelette? La logique voudrait une omelette, mais moi je dis du curry. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Ah, la salope! C'est l'heure de notre pal artichaut. Quel incroyable design. Il a des bananes à la place des cheveux. Oh là, il a une sale tronche celui-là. Paniquons pas, mur de fer! Je suis maintenant protégé. Est-ce qu'on va lui casser les briques à lui? Bon, allons-y avec un coup de casse-briques, on va voir ce que ça donne. Ah! Voilà qui fait plaisir. C'est le combat de pal artichaut, les gars. Mon dieu. Merde, il attaque en premier. Qu'est-ce qu'il a fait? La défense est... Oh là là, il est... Mais loul. Bon, mais voilà. Monsieur pal artichaut, parfait pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est quoi cette chose? Allez hop. J'aime pas clair. Si, c'est clair. Parfait. Peut-être qu'on va ni avoir besoin de chelours, ni de léviatours. Peut-être qu'on va zigouiller la team entière uniquement avec pal artichaut. Eh bien, tant mieux. C'est le combat de pal artichaut. Oh la vache, il est vilain, lui. Il est vilain, lui, je le sais. Il est vilain, il est vilain. Dynamax. Dynamax, c'est Pugilomax, là. Attention. Ah, attaque de feu. On a pris cher, Ross. Pas de panique. Ok, nickel. Il a pris cher. Ok, parfait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça a 105 PV. On va l'éradiquer. Allez, pal artichaut! Déconne pas, pal artichaut, c'est en combat! Non! C'est bon! Éradique-moi ça. Eh ben, mon pal artichaut, il aura éradiqué! Il aura éradiqué la team entière! À quoi ça sert d'avoir 6 Pokémon, les gars? Eh ben, voilà. Je suis très content pour pal artichaut parce qu'il le méritait. C'était son combat. Comment ça, il n'y a aucun challenge? Arrêtez, c'est le talent.
Il faut que vous compreniez, les gars, que vous avez en face de vous un fin stratège qui a tout analysé avant et pendant le combat, en amont et en aval. Et c'est grâce à cette analyse poussée, c'est ça qui nous a permis de vaincre notre adversaire. C'est ça, les gars, qu'il faut comprendre. Rien n'est dû au hasard. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Ah oui, c'est vrai qu'on a le Toxizap qui est électrique, effectivement. Électrique et poison. Remarquez, j'ai aucun Pokémon électrique et je n'ai aucun Pokémon poison. C'est peut-être pas mal. Et c'est électrique et poison en plus. Bon, vous savez quoi? On prend Toxizap. Allez, hop. Bon, mais alors par contre, pour le level up, alors là, ça va être coton. What? Il a gagné 18 niveaux! Mais il s'est pris 3800 XP! Oh, le scandale! 18 niveaux, il a pris en un coup, en un combat! Ah, ben d'accord, ben oui, là, je comprends mieux! Attends, ça veut dire que l'XP, elle squale en plus. C'est scandaleux! Monsieur le procureur, m'entendez-vous? Spécialiste des noms. Bon, est-ce qu'on peut lui changer son nom parce qu'il est quand même dégueulasse comme ça? Toxizap, là, c'est quand même le pire nom. C'est un Pikachu, mais c'est un Pikachu étrange. C'est un Pikazarb. Voilà, c'est ça. Un Pikazarb. Un Pikachu étrange, quoi. Parfait. C'est quoi souvenir de Pokémon? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je veux dire des souvenirs. Alors, lis-nous les souvenirs de Canardo, s'il te plaît. Canardo a fait du camping avec Coupette. Ah, d'accord! Il se souvient très bien que ça l'a vraiment emballé. Non. En fait, non, pas du tout. Voilà, merci. Donc, rappeler une capacité. Ouh là là, attendez, il est une puissance 120 là. Ouh là là, éructation, on va le prendre. Attendez, ne fonctionne que si le lanceur consomme la baie qu'il tient. Comment ça la baie? J'ai pas de baie. Mais si, si, mais des baies, on en a des baies, donc je vais lui mettre des baies moi. Je vais lui mettre une baie Oran. Cela n'aura aucun effet. Mais il veut pas le mettre. Il veut pas mettre la baie. Apparemment, ça se dit comme un objet, mais c'est pas un objet qu'on peut tenir en main, c'est un objet qu'on utilise directement. C'est tellement pas clair là, c'est histoire de baie. Mais comment je fais alors? Ils ont dit que pour utiliser l'attaque poison, on devait avoir une baie en main. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, les baies, c'est pour utiliser directement, on les a pas en main. Alors, c'est pas clair. Tenir, pas utiliser. Comment ça, tenir? À donner, vous voulez dire? Ah! C'était donné, pas utilisé! Oh là là, c'est compliqué, Pokémon! What a stupid son of a bitch. Ah, c'est compliqué, les gars. Pourquoi là, tu veux mettre la baie pierre? L'abbé Pierre. Mais elle est où l'abbé Pierre? Mais elle est pas là. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Vous foutez de ma gueule. Bon, allez, c'est bon. On a assez perdu du temps avec ces conneries. Allez, allons-y. Hop. Attention! Attention! Miaou! Je te bats avec un seul Pokémon au niveau 50, tu veux essayer? Mais est-ce que tu me bats avec un seul bras? C'est ça qui m'intéresse. Avec un seul bras ou pas? Peut-être à la fin on verra, mais rien qu'avec ma connexion, on risque de péter le live en 8. Donc bon, le PVP, ça va être compliqué. Et puis tu sais que bien, j'ai pas envie de t'humilier, Fitoupé. C'est pas comme ça, moi. Alors restons-en là! Je vais utiliser bonbons pour XP quand ils ne seront plus efficaces, mort de rire. Ben, en fait, si tu réfléchis bien, que tu le fasses quand il est niveau 10 ou quand il est niveau 300, dans tous les cas, je pense que ça met le même nombre d'XP. Donc ça n'a pas de sens de dire que ça n'est pas efficace. Tu vois ce que je veux dire? Admettons que ça rajoute 100 XP. Ça restera 100 XP au niveau 10 et ça restera 100 XP au niveau 50. Vu que dans les deux cas, je vais pas jouer avant qu'il soit au moins niveau 40, de toute façon, on s'en fout. Ça va, j'ai pas été trop vite ou tu veux que je répète? Restons calmes. Ah non, je suis pas du tout de mauvais poil, hein. Je rigole avec ceux qui veulent rigoler, c'est tout. Salut Dark Killer. Salut William. Et tous ceux qui arrivent, hein. Pauline, Greg. Quelle heure il est? 17h50. Et c'est dans Caster Six que vous finissez le boulot. Bande de feignasses. Putain. Ça rentre à la maison avant même 18h. Regardez-moi tous ces fonctionnaires. Regardez-moi ça, c'est de la mauvaise graine, ça! Et après, ça fait grève. Et c'est pas content! Je vais vous apprendre, moi. Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just... Bon, ça se fait que je lis plus les dialogues. Parce que je n'ai pas envie de mourir de mort cérébrale. Du coup, j'ai arrêté. Non, parce que les dialogues sont pas intéressants. Vous voulez que je lise les dialogues? Ah, c'est pas mes flip-flops que j'aurais dû bosser! Mais ma tactique de combat! Merci pour le rappel! Et t'es cerné, viens pas pleurer! Voilà, donc à part pour amuser la galerie, mais ça fait longtemps que j'ai dépassé ce stade,
Je suis désolé les gars, mais non, je ne lis plus. À ce stade-là, on ne lit plus les gars. Hein. Désolé. Oh putain, on dirait complètement Mr. White. Breaking Bad, Brian, c'est lui, hein? Brian Cranston, c'est lui, hein? Et regardez-moi ça. Say my name. C'est complètement Heisenberg, les gars. You're goddamn right. C'est complètement Heisenberg. Julien le gentleman. Secours! Vous savez quoi? Je crois qu'on va aller se changer parce que notre accoutrement ne me plaît guère. T'entends le full uniforme de dragon, là. Oh, il est dégueulasse. Ah, le ténèbre, il est pas mal. Ok, ténèbre. Et voilà, on est très bien comme ça. En plus, ça va aller avec notre incroyable chapeau. Ah, regardez-moi ça. Meu Deus do céu. Voilà. En quelle planète je suis? On a trouvé quelque chose. Est-ce qu'on peut pas changer notre sac qui est dégueulasse? Depuis le début, on se trimballe cette vieille sacoche dégueulasse, là. Voilà, parce que là, il est quand même horrible. Ah, on va pouvoir le changer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de rose, évidemment. Bon, blanc, c'est déjà mieux, cela dit. Le reste, c'est dégueulasse. Hein. On va le mettre en blanc. Eh ben voilà, on est très chic. Il veut se battre, lui, là. Cette gueule. Nestor, l'employé. Mais putain, mais on dirait que tout a été random. Je vous assure, hein. En fait, ce qui me fait halluciner, c'est que t'as autant l'impression que les noms, leur job associé et leur tronche, t'as l'impression que tout a été fait random. T'as un générateur aléatoire qui a tout fait random. Alors Nestor, l'employé, ok, costard cravate. C'est un générateur qui a fait le jeu en fait. Voilà. T'arrives à une ville, alors ville désertique, ville enneigée, ville... C'est pareil pour les Pokémon, hein. Lui, il aura une crête rouge, des gants blancs. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'est un chef-d'œuvre. Excusez-moi. J'ai un petit peu emballé. C'est des choses qui arrivent. Isaac, le chauffeur de taxi. Michel, le montagnard. C'est génial, les noms. Allez à la réception du stade, oui, c'est ça. On est au stade de Windsor. Alors, allons-y. Ça reste la fin. On ne sait pas. Il n'y a rien de clair, quand même, hein. Mademoiselle Rosemary, que voulez-vous? Enfin. Et le Martifouette. Alors lui, on le connaît. Eh bien, ce sera le Martifouette. Ah non, je peux pas. Ah, je ne peux pas parce qu'on est tourmenté. Eh bien, dans ce cas-là, ce sera le Mania. Il est beau, lui aussi. L'épée de Damoclès va rendre justice. Voilà. Bon, je crois qu'il est temps, par contre, de changer de perso, hein. Loul. Il faut vite changer de perso, là. Oh putain, il a 4 PV! Il faut changer de perso! Oh putain! Il y a le Pikachu infernal! Laissez-moi changer de personnage! Ah, Monsieur Roger, c'est à vous. Oh, le ballon! Le ballon! Il va avoir un coup de chaud. Et voilà. On va faire un petit rebond, tiens. Allez, saute! Et hop! Je reviens, et boum! On a pris cher, hein. On va tenter le canardo. Seigneur canardo! C'est son combat. Ça fait peur. Non, ça va. Ah, parfait. Il résiste bien, canardo. Il résiste bien. Bien joué, canardo. Bien joué, canardo! Canardo va l'éradiquer. Dynamax! Canardo. Ah bah, il a pris cher aussi avec monsieur canardo. Encore une victoire pour Canard. Alors donc là, on va combattre Nabil. Un moumou flonflon, c'est un moumou flonflon. Eh bien, le Martifouette, hein. C'est le Martifouette. Aïe, culé. Ah, l'enfoiré. Mania, tiens, je change de stratégie. Bon, deux coups, il a crevé, c'est pas très grave. 6 coups de boule. Putain, mais les animations sont inexistantes. Les animations de la moitié des combats sont inexistantes. Ça me fait délirer, ça. Oh, un ronron fleflex. Il est tout ronron. Il est tout ronron. Et voilà. Un corvélus. Et bien, ce sera le Martifouette. Ok, ça passe. Le critique qui fait plaisir. Est-ce que c'est son dernier, là? Ah non, il a encore deux. L'épée de Damoclès va rendre justice! Voilà. Alors, attention, c'est qui le dernier, là? Et ça va être l'évolution ultime. Et oui! Bah oui, je suis con, c'est l'évolution ultime de son starter, donc, du Whistiti, du Koala. C'est ça. Il vaut mieux qu'on change d'équipier, là.
Roger, ce serait pas mal, parce qu'avec le feu, on va le déglinguer. Bon, monsieur Roger, c'est ton tour. En un coup! En un coup! L'experte en type O, ils le disent, ne paniquons pas. Du coup, l'électrique, ce serait pas mal. Il faudrait appeler, comment je l'appelais? Pokézarb. Pokézarb, c'est ton combat. Ne nous déçois pas, Pokézarb. Pikazarb, à l'attaque! Normalement, l'électricité, c'était bien pour la flotte. C'est bien pour ça qu'on a pris un Pokémon électrique. Enculé! 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 Mais non, mais putain, mais... Ah, mais c'est génial, les gars. C'est génial, putain. Bravo, Pika... Bravo, Pikazarb. Mais bravo. Mais bravo, Pikazarb. Bravo, Pikazarb. Ah, c'est génial, putain. Ne nous excitons pas pour si peu. Rebond, si je peux esquiver ses attaques. Si je peux parvenir... Ah. C'est un Pokémon, ce machin-là? Mais qu'est-ce qu'il est dégueulasse! C'est ça, Eternatus! Mais c'est quoi, ce design? Ah, les gars! Mais c'est pas possible! C'est ça, le boss de fin? Oh, le design! Mais comment on peut... Mais putain, mais comment ces mecs-là sont parvenus? Non, mais c'est fou! Les gars, comment les mecs de chez Game Freak sont parvenus à perdurer avec ça? Mais ils ont aucun talent, c'est pas possible! Les gars, tout est hideux, quoi! Tout est hideux! Ce boss! Ce boss, putain! Oh, c'est la folie! Oh, c'est incroyable! C'est incroyable! Les mots me manquent, les gars. Il n'y a plus de mots, là. Incroyable. Alors là, eh bien, écoutez, l'épée de Damoclès va rendre sa justice une fois de plus, bien sûr. La vache. Oh, incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc. Il a peut-être plusieurs formes. J'espère. Ah, il va mourir, en fait. Ah, mais d'accord, il va mourir. Ok, je pense qu'il a plusieurs formes. Attendez. Attendez. Ça doit être sa première forme. Ah, il a bien plusieurs formes. C'est encore pire que l'autre, très bien. L'épée de Damoclès va rendre justice! Alors, ah non, je ne peux pas. Donc, on récapitule. L'épée de Damoclès va rendre justice! Ah ok, je fais zéro dégâts, d'accord. Allez, vas-y, siffle! Ah mais d'accord, c'est eux qui vont le tuer. Ok, c'est eux qui vont le tuer en fait, c'est pas moi du tout. Hein. C'est pas moi. Bon, donc boss 0 ne combat pas, d'accord. Il y a peut-être une troisième forme, cela dit. Capture Eternatus. Ah, il faut le capturer aussi. Ah, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, loul. C'est le Super Ball, Pokéball, Copain Ball, Sombre Ball, Taggle Ball, Super Ball. J'aurais bien voulu fuir, mais apparemment on est obligé de l'attraper, les gars. Désolé, qu'est-ce que c'est que ce combat de fin, sans déconner, tu... Mais tu n'as rien à faire! C'est les Pokémon légendaires qui combattent à ta place. Loul. Encore un gros combat, donc. Du coup, là, on a capturé un Pokémon légendaire. Mais en fait, c'était juste le boss de fin qui était dégueulasse. C'est pas un Pokémon légendaire, ça. Mais est-ce que, du coup, j'ai un Pokémon légendaire dans mon équipe? Ah, mais oui! Il est vraiment immonde, c'est incroyable. Non, mais franchement, les gars, je suis désolé. Mais vraiment, j'essaye de comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Mais alors là, j'en reste bouche bée. Ok, écoutez, est-ce que je le prends? Mais je vais le prendre, non? Il est cheaté, faut pas l'utiliser pour le combat ultime. Mais j'adore ce genre de... Je suis désolé, Benny, je t'aime bien, mais ce genre de truc, moi, je n'arriverai jamais à le comprendre, quoi. Faut pas l'utiliser. j'adore ça, putain, j'adore ça. Faut pas l'utiliser. Je suis désolé, mais c'est un truc, ça, dans les jeux. Mais putain, si ça casse le jeu, faut pas qu'ils le mettent dans le jeu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand même aberrant, quoi. Non, Hooper, faut pas aller là, non, va pas à droite. Non, ne combat pas, Hooper, ne combat pas, tu vas faire de l'XP. Non, fais pas ça. Non, n'achète pas de potions. Non, fais pas ça. Vous comprenez que... Non, mais non, les gars. Non, si les mecs savent pas faire de jeu, c'est pas de ma faute. Moi, je suis là pour jouer à leur jeu. Je suis pas là pour décider et pour comprendre ce que je dois
prendre ou pas dans le jeu, pour avoir de la difficulté ou pas. C'est à eux de le faire, c'est aux développeurs à le faire. C'est leur job, les gars, comprenez ça, putain. Ah, c'est tellement aberrant, des fois, ce que vous me sortez, les gars. On va pas le prendre, on va pas le prendre. Mais bordel de merde, sérieux, quoi. Putain. Non, Hooper, parle pas, ce PNJ, il va te vendre une potion. Oh, putain. Non, fais pas de l'XP. Oh, combat pas de Pokémon. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors attention, cette fois-ci on y est. Le véritable combat final. Peut-être qu'on va se faire déglinguer, hein. Eh bien écoutez, il est temps d'utiliser l'épée de Damoclès pour rendre justice. Ah, le bouclier, ça part mal ça. Aïe, il va se protéger. Oh putain, il va se protéger. Ah ben alors du coup... Oh ok, laisse tomber. Il a complètement se protéger, je vais y faire zéro dégâts. Et en plus, il a baissé mon attaque. Bon, faisons le martifouette, on va bien voir. Qu'est-ce que ça pourrait être comme Pokémon, ça? À mon avis, ça pourrait être Ténèbres, ça pourrait être Spectre. Ah, quand même. Ça pourrait être... Je l'ai pas attaqué ou quoi, là? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça passe pas? Oh, putain, ça commence mal. On va changer, mais alors contre quoi? Putain, ça commence bien, là. On va prendre Roger. Écoutez, tentons le feu. Ah, ben voilà! Complètement par hasard, eh bien, c'était le feu. Oh putain, oh ça va être du dragon, ça. Ça, c'est dragon acier, je dirais. Si c'est le cas, le feu passerait bien. Pas du tout. On a quand même fait du gros dégât, mais c'était pas ça. Ne me tue pas, s'il te plaît. Et il me tue, putain. Et c'est super efficace, en plus. Bon, on est dans la merde, hein. Donc, je pense que si je prends Léviatour sur le sol, il pourra pas me toucher déjà parce que je vole. Je vais y aller avec lui et je utiliserai la glace parce que je pense que c'est un dragon. Polaire. Ça fait beaucoup là, non? Mais sérieusement? Ah non, mais alors là, oui, bah oui, ah ben oui, ah ben oui, c'est à chaque fois que tu me fais ça. Bon, on est dans la merde. On est dans la merde, les gars. Je vais reprendre Chelours. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Rappel max sur Léviatours, déjà. Ne me tue pas en un coup, s'il te plaît, sinon je suis foutu. Hein. Ne me tue pas en un coup. Ah, colère, il refait ça. Quoi cette attaque là? Non, ça va. Ok, il me tuera pas avec ça. Et en plus, il est à moitié confus. Bon, je vais tenter une attaque. Tentons le marteau point là. Il est confus, c'est parfait. Non, mais il le refait. Oh, c'est pas vrai. Bon, ça va. Ok, ça va. Lui, il résiste assez. Mais putain, il a pas attaqué là. Oh, j'y comprends rien. Pourquoi il a pas attaqué? Mais tu fais l'attaque à un moment donné. Ah, il a évité. Ah, il a évité deux fois. D'accord, ok. Ok, d'accord. Il a évité deux fois l'attaque. Ok. Tenter l'épée de Damoclès, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Il refait séisme, donc il fait pas de critique, ça va. Alors là, Damoclès, ok, il esquive pas, et il le prend de plein fouet. Eh ben putain, aïe. Ils sont quel niveau là, les Pokémon de cet abruti là? Ah oui, 64, ah oui d'accord, ils sont plus haut niveau que tous mes Pokémon, ok. Monsieur Claquette, oui bien sûr, oui. Alors on va se healer, ou j'ai fait le con. Putain, mais c'est pas vrai, vas-y, mais... Oh putain, j'ai pas m'énervé, hein. Bon, là c'est un vrai combat. C'était quoi cette attaque? Du psy, non? On va tenter le bourdondon. Bon, déjà, on va faire un petit rappel. Ça mange pas de pain. Sur Chelours, hein. Rappel max, allez hop. C'est quoi? Oh non, du gel. Mais putain. Mais bordel! Comment tu veux? On va prendre le Léviatours. Je vais tenter le vent. Complètement au pif, le vol. Non, c'est pas assez, ça. C'est pas assez. Il fait la glace. Ça devrait... Okay, il va me tuer avec ça? Mais vas-y! Oh, putain! Ah oui, c'est la glace, c'est pas l'eau. Ouais, non, mais laisse tomber, là. Je meurs, là. Là, je meurs. Là. Je suis en train de mourir. Littéralement, les gars, je meurs. Ok, je vais prendre Chelous en espérant qu'il me one-shot pas. Je vais utiliser pour Rez. Peut-être avec Roger, alors. Peut-être avec Roger, ça ira mieux. Alors là, il me fait le psycho. Ouais, donc c'est bien du psy. Il lance du psy et du glace. Il te tue! 338 PV, il m'enlève! Mais que veux-tu faire? Ah, l'enculé! Bon, normalement, le ballon devrait bien le toucher, alors. Ah, il l'a tué, j'aurais dû faire ça direct. Tout le monde est mort, j'aurais dû faire ça direct. Et merde. Ah, oh là là! C'est l'évolution ultime du Pokémon eau. Du starter eau, ça. C'est-à-dire que c'est de l'eau. Vous êtes vraiment très perspicace! C'est-à-dire que sur moi... Ah, il faut que je dégage, en fait. Il faut que je dégage. Sauf que le Léviatours, il est mort. Putain! Ok, je prends le risque. Je vais faire un rappel max. J'en ai plus que 6. Loul. Sur Léviatours.
Ah la vache, non mais... On va prendre Léviathours, hein. En espérant que il ait de l'eau, mais qu'il ait pas... Putain, c'est méga chaud, là, quand même. Hein. Je vais tenter Picazar avec l'électricité sur l'eau. Ce serait logique. Ça devrait marcher. Mais bon, faut pas qu'il me tue direct, évidemment. Génial. Oh la vache, énorme dégâts. Je devrais en profiter. Plutôt que de le tuer, j'ai plutôt raise. Hein. Je vais raise chez l'ours. Allez, hop. Oh la vache. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il est quasiment mort, là. Il est quasiment mort. Normalement, le combat... Non, le combat, ça le tue, forcément. Sauf qu'il m'attaque en premier. Ah, putain, il a peut-être le tué. Oh, non, il me tue pas. Ouh, 32 PV. Il reste deux Pokémon. Attention. Il y a lui, et il y aura sûrement le Dracaufeu après. Est-ce que je devrais pas faire un petit rappel max? C'est quoi la gueule qu'il a, ce Pokémon, là? Ça sent le Pokémon O, hein. On dirait O et Psy. Ouais, Roger. Je vais y Roger. Je pense que Roger pourrait être utile sur lui. Je vais le raise. Je préfère le raise. Tant pis s'il meurt. Donc là, on va appeler Roger. À mon avis, le feu devrait marcher. Il a un petit côté O, quoi. Mais bon, après, ça veut tellement rien dire. Tu me diras, ça, c'est pas trop de l'eau. Ok, c'est bon, il ne tue pas avec ça. C'est parfait. Ok, c'est bon. C'est pas efficace, mais pourtant, je lui ai enlevé plus de la moitié. Donc, je lui fais la même. Il devrait mourir. Oh, l'enfoiré! Cela dit, il devrait pas me tuer s'il fait pas de critique. Oh! Il faut le tuer, là. Ok, le dernier. Attention. Eh bien, c'est bien Dracaufeu, le dernier. Alors là, bon, c'est pas la peine d'y aller avec lui. Je pourrais rien faire. Donc, très clairement, là, le mieux, c'est... Ouais, c'est Rappel Max sur Picazar. Bon, il va trépasser. Je prendrai les Léviathours, on fera le Dynamax. Il est tout dodu! Allez, niveau 65! Bon, là, je vais crever, sans doute. Ça semble à peu près logique. Ok. Dynamax, et donc là, évidemment, l'Hydromax. On est pas mal, là, mais est-ce que je vais... Combien je vais faire de dégâts, sachant qu'il y a quand même pas mal de niveaux de différence, là? Il attaque en premier. Oh, bordel, ne me tue pas, hein. Non, il me tuera pas. C'est bon. Je crois que ça va être la win. Il va peut-être me tuer là par contre. Hein. Ah, j'aurais dû me healer. J'aurais dû me healer. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On ne va pas trépasser, paniquez pas. Enfin, j'espère. Allons-y avec Chelours. Tout était prévu, paniquez pas. Car l'épée de Damoclès va faire justice. Non, je ne crois pas, non. Ne paniquez pas, hein. Je sais ce que je fais. Hein. Je sais ce que je fais. Ne paniquez pas. Je sais ce que je fais. C'est la tempête de sable qui va le tuer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Est-ce que c'était pas une belle victoire? Hein? Vous avez battu Tarak le Maître. C'est beau. C'est beau! C'était beau, putain! C'était beau, ce combat! Il était beau! Il était beau! C'était beau! Un combat d'anthologie! Eh bien, on aura eu le zéro game over, les gars. Si ça, c'est pas la maîtrise de Pokémon, je ne sais pas ce que c'est. On dit GG les items. Oh, c'est pas vrai. J'ai utilisé aucun item depuis le début du jeu. Les potions, c'est pas pour moi. Et les résurrections non plus. Bon, je crois que ce pain-là, vous le savez bien. On dit GG la RNG. Arrêtez, GG la RNG. Tout a été stratégique depuis le début, vous le savez bien. Tout n'a été que stratège. Arrêtez. Mon avis, c'est que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Nul doute là-dessus. Vous avez vu ce... Est-ce que vous avez vu ce combat final? L'intensité était à son comble. La tension était maximale. C'est automatiquement un chef-d'œuvre de l'art moderne. Merci à tous. Ah ben ils peuvent, hein. Merci à tous, ils peuvent. Même le merci à tous, c'est tellement le Nintendo de la Nintendo 64. C'est énorme, il a failli mettre des moutons. C'est les joueurs qui passent. C'est les joueurs qui passent. C'est les moutons qui traversent l'écran. Ils ont tout compris. C'est énorme. Il y a les joueurs qui passent à la fin. Ben. Vous savez quoi? On va faire un truc. Parce que moi, je trouve que c'est un excellent jeu. Eh bien, on va aller voir des gens qui s'y connaissent. On va aller voir les critiques professionnelles. Donc, Game Cult
et jeuxvideo.com. Donc, ils ont mis 7 et 16, hein, c'était ça. On va aller voir ce qu'ils disent. Allons voir les professionnels de l'industrie. Monsieur, allez hop, chez Gamekult. Là. Alors, regarde. Donc, 7 sur 10 de la part de Gamekult. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de beau? Regardez, c'est un professionnel. Nous, on est des amateurs, on ne sert à rien. Donc, les plus. Alors, les plus, il a dit moins niais, ce qui veut dire que les anciens Pokémon, les précédents Pokémon, devaient être plus niais que ce qu'on a là. C'est vrai qu'il y a une sorte de... Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le testeur professionnel de Gamekult, parce que j'avoue qu'il y a un côté assez mature qui se dégage du jeu. Ça se ressent, en fait, avec l'écriture, les petites scénettes et tout. On est vraiment... tu sens que c'est pour les adultes, quoi. Voilà. Il y a un excellent rythme. C'est vrai que le rythme est quand même assez soutenu. Et puis surtout, il est extrêmement varié. Je suis assez d'accord. Les créatures visibles de partout. Ben, c'est vrai. Non, mais il a raison. C'est comme Chrono Trigger en 95. C'est ça. Les créatures sont visibles partout. Je suis d'accord, c'est une sorte de révolution. Oui. L'interface de rêve. C'est vrai qu'elle est magnifique. Oui. Quand on va dans l'interface, qu'on voit les grosses boules là, avec les grosses couleurs, et puis quand tu es dans les combats, qu'il y a les gros carrés, les gros rectangles, et que tu as l'impression de jouer à un jeu mobile, je suis d'accord. Moi, l'interface me fait rêver. Il a raison. Mais il a raison, c'est un professionnel. Écoutez, tout pour aider le joueur. Et c'est vrai que ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien d'aider le joueur. Hein. Voilà, de lui dire quelle attaque faut utiliser et tout. C'est vrai. Je suis d'accord. Il faut aider le joueur. Voilà. Et puis d'ailleurs, on a bien vu sur le boss de fin avant Tarak où en fait on ne jouait pas. Donc c'est vachement bien quand on voit que l'IA joue à notre place et que du coup on ne joue pas. Ben, c'est très très bien. C'est tout pour aider le joueur. Je suis d'accord, c'est un très bon point. Les nouvelles créatures, ben oui, évidemment. Les nouvelles créatures, on les a vues, hein. Entre l'écrou, la chauve-souris étrange et les autres, c'était quand même du haut niveau, au niveau du chara-design. Tu sens bien que les mecs, ils savent ce qu'ils font, hein. C'est pas genre juste, ils sont en train de bouffer un kebab, ils voient leur fourchette... Et ils rajoutent deux gros yeux à leur fourchette et ça fait un Pokémon. Tu sens que c'est pas ça, tu sens que c'est au-delà. Les mecs, ils sont passionnés, mais ça se ressent. Je suis d'accord avec lui. Les musiques, mais évidemment, les musiques, on a oublié d'en parler. Les musiques, les gars, franchement, quand on était dans les arènes, les musiques des... La musique des combats, mais la musique des combats était magnifique. Tellement douce aux oreilles. Moi, je vous dis un truc, je crois que j'ai acheté l'OST de ce jeu. Une seule envie, c'est de me procurer l'OST pour faire durer le plaisir et pour l'écouter toute la journée. Je vais me procurer l'OST de ce jeu, je suis d'accord, les musiques, pareil, c'est du haut niveau. L'ambiance des stades, ben oui, évidemment, l'ambiance des stades avec le public qui fait une espèce de hola, quand on est à Marseille et que du coup, ça, tu ressens l'ambiance du stade, hein. Et cela à chaque arène, à chaque fois, de la même façon. Effectivement, l'ambiance des stades est assez phénoménale. On s'y croirait. Alors maintenant, les moins. Parce que vu que c'est un testeur professionnel, vous comprenez bien que le mec, il y a aussi des moins. Eh oui, bah, c'est triste, mais bon. Il a bien fallu qu'il trouve quelques points négatifs. Alors, le gameplay Dynamax trop léger. Non, mais là, je dis non. Non. Moi, je veux bien être critique. Mais faut être objectif avec les jeux et plutôt bienveillant. Dire que le gameplay Dynamax, il est trop léger, alors que quand même, faut quand même appuyer sur un bouton. D'abord, un premier bouton, faut appuyer pour devenir grand et gros à la King Kong. Puis ensuite, faut quand même appuyer sur un second bouton pour envoyer une attaque. Moi, je dirais pas que c'est trop léger. Faut quand même réfléchir un minimum. Faut savoir appuyer sur deux touches. Donc là, je trouve un petit peu fort de café sur ce coup de dire que le gameplay Dynamax est trop léger. Hein. Attention à toi. Moins d'exploration. Ah mais non, moi, je peux pas être d'accord là, les gars. Le mec, il dit qu'il n'y a pas d'exploration. Il dit qu'il y a moins d'exploration. Mais non. On est sur des routes, on fait 50 mètres, on atteint la prochaine ville. Ah, je trouve ça génial, moi. Les routes, elles font 5 mètres de large. Excuse-moi, et puis il faudrait pas oublier les terres sauvages. D'ailleurs, il en parle juste après. Les terres sauvages trop peu développées, mais pas du tout. C'est une grande zone, avec des hautes herbes tous les 30 mètres. Ah non, les terres sauvages, moi, croyez-moi, je me suis presque cru en 2004 sur World of Warcraft dans une vieille zone. Hein.
Presque. Donc c'est dire quand même le niveau, c'est quand même pas rien ça. Bon, trop peu de formes galares. Ah, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Bon, galard c'est le royaume, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire. En même temps, je ne suis pas un professionnel, moi je suis un simple amateur, je ne comprends pas tout ce qui se dit. Hein. Trop peu de nouvelles créatures. Oh, il y en a quand même beaucoup. Hein. Entre les théières et tout, et les poils à frire, il y avait de quoi faire. Un Pokédex régional un peu chiche. Bon là, je ne commenterai pas, c'est un petit peu trop obscur pour moi cette histoire. Les proportions non respectées. Oh, il est méchant. Ah, il est méchant quand même. Il est méchant ce testeur Gamekult. 7 sur 10. Moi, j'aurais mis un bon 8, voire un 9. Bon, mais je crois qu'on peut dire qu'on s'est bien amusé avec ce Pokémon. Vivement le prochain. Je trouve ça vachement cool que Game Freak ne prenne pas leurs clients pour des moutons. Contrairement à ce qu'il laissait paraître quand on voit l'écran de fin à la fin où il y a plein de moutons. Mais c'est quand même vachement bien. On voit qu'ils prennent soin en fait de leurs fans et qu'ils veulent toujours leur proposer l'expérience la plus aboutie en 2019. Et je trouve ça tout à fait respectable personnellement. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Et voilà, je vous dis donc à la prochaine. Passez une bonne soirée. Et moi, je conseille ce Pokémon épée. Hein. Je conseille ce Pokémon épée. Croyez-moi, ce n'est point une escroquerie. Et les amis, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Vous pouvez me faire confiance. À la prochaine.